Die Damen und Herren, das ist mir aufgefallen, dass in dem Film da immens viele Ex-Ministre wären. Die haben nur Ex-Wirtschaftsministre für alle. Die haben nur, wie es geht, steht heute die Nächsten. Also, gelesen, so lange wie es nach raus. Wie ich damals im Wirtschaftsministerium angefangen habe, 2004, und ich habe gesehen von der Band, und ich gemerkt, dass die so etwas dynamisch waren, dass sie extrem trunken dabei gingen. Also, ich will nur, dass dadurch den Grund, dass wir so viel Schaffen hatten, weil keiner viel geschlagen hat, ausgehalten hat. Ich habe 7 Jahre probiert, an die Gitze zu kriegen, dass mir nicht gelungen. Ich habe aber auch parallel Nirft Cases, ein flottes Projekt, und ich will aber kurz ein Wort dazu sagen, das war Luxtrust, den ich ein bisschen auf B setzen und war da assistiert von meinem Freund Pierre Zimmer. Gott sei Dank, weil ich nicht zumindest gewusst habe, wer das ging gehen. Und ich wusste, wie ich mit Aktionären umgehen, für die so weit zu kriegen, dass das so läuft. Mesdames, Messieurs, en l'espace de 10 ans, Cases a évolué d'un site internet de sensibilisation du grand public aux nouveaux médias vers un tiers de confiance pour la sécurité de l'information au sein des PME et des administrations luxembourgeoises. Les menaces qui pèsent actuellement sur la société numérique soulignent l'importance à accorder au développement de la sécurité de l'information pour la vie privée comme pour la sphère publique. Elle doit également et surtout servir à renforcer l'économie luxembourgeoise. C'est pourquoi le Grand-Duché doit continuer à investir dans des structures hautement sécurisées et dans un capital humain à la hauteur des avancées technologiques. La sécurité de l'information sera d'ailleurs un nouvel axe de promotion sectorielle pour Luxembourg for Business. Votre présence ce soir confirme l'intérêt que vous témoignez tous à la culture de la sécurité de l'information au Luxembourg. Il y a 10 ans, il fallait avoir un esprit visionnaire et une conviction inébranlable dans les nouvelles technologies. Les pionniers Cases possédaient ces qualités. Tout comme d'ailleurs Robert Goebbels, Henri Gréten, Jeannot Créquet, les 3 ministres de l'économie qui m'ont précédé et qui ont soutenu le développement de la sécurité numérique au Luxembourg. Notre pays a parcouru un long chemin en matière de nouvelles technologies. Ceci grâce aussi à des initiatives venant d'acteurs majeurs de la place et donnant naissance à LuxTrust, LuxConnect, le SNT, LuxX et le Cyber Security Board, pour ne citer que ces quelques exemples. Le Luxembourg est devenu un lieu d'implantation privilégié pour les sociétés émanant du commerce électronique et du gaming. La dernière en date ayant ouvert une filiale au Luxembourg en août 2013 étant la société américaine LiveGamer. Ce succès, nous le devons à une infrastructure numérique de pointe, à un cadre législatif clair, à un cadre sécuritaire digne de confiance et à un cadre fiscal attrayant. Mais ne nous voilons pas la face. Même si notre pays s'est muni de centres de données ultramodernes, garantissant une latence minimale au niveau des communications en Europe et au-delà, même si nous offrons les avantages précités, pour rester concurrentiel, il faut continuer à innover. Luxembourg se trouve aujourd'hui dans une situation similaire à l'Irlande il y a 10 ans. Ce first mover avait très tôt investi dans des data centers et dans une connectivité à ultra haut débit. Il a ainsi su attirer de très grands noms du e-business tels que Google ou Microsoft. Au sommet, dans les années 2000, l'Irlande a cependant omis de moderniser ses infrastructures et ses concepts. Ce faisant, le pays a rapidement perdu de son attractivité. Le Luxembourg, quant à lui, séduit des sociétés telles qu'Amazon, PayPal, Skype, iTunes, Rakuten, Huawei et d'autres. Alors restons vigilants et efforçons-nous d'identifier des concepts hors du commun pour rester concurrentiels. La sécurité de l'information pour tous peut être un tel atout. Pour la majorité des sociétés, investir dans la sécurité de l'information reste un défi. Procéder à une analyse de risque est une démarche complexe. Mettre en place des mesures adéquates peut s'avérer coûteux. Cases a développé des outils créateurs de synergies. Ils rendent la sécurité accessible à tous, y compris aux petites et moyennes entreprises. MyCases.lu est un espace de travail professionnel pour la gestion des risques
qui fonctionne sur base de modules sectoriels préconfigurés. L'expérience a même montré que différents secteurs partagent souvent les mêmes risques, d'où l'intérêt de réutiliser l'expérience acquise entre différents secteurs sous forme de blocs prêts à l'emploi. J'ai eu droit récemment à une démonstration des outils développés par Cases. D'une part, les experts sont en mesure d'effectuer en moins de 2 heures une évaluation sommaire des besoins et des risques. L'objectif est d'identifier les grosses failles sécuritaires d'une entreprise. L'analyse génère une liste de mesures à mettre en place. D'autre part, la même plateforme héberge un outil d'analyse de risque basé sur les blocs préconfigurés. Des sociétés spécialisées seront formées à cette méthodologie. Ils pourront accompagner leurs clients à mettre en place une politique de sécurité complète. Ce concept de faire bénéficier les entreprises d'outils générateurs de synergie peut aussi être transposé au niveau des infrastructures de communication. Notre vision de la sécurité de l'information est une vision fédérative, partagée avec les acteurs du secteur ICT. Mon ministère soutient l'idée de la sécurité en tant qu'infrastructure, c'est-à-dire que les entreprises devraient avoir accès à la sécurité de l'information de la même manière qu'elles ont accès à l'électricité ou à Internet. La sécurité de l'information ne doit être considérée ni comme un défi individuel pour l'entreprise, ni comme un objectif inatteignable pour des raisons de complexité ou des raisons de coût. En effet, certaines mesures de sécurité peuvent être mises en place suivant un principe de solidarité. En joignant les forces des différents acteurs, la sécurité de l'information comme infrastructure est prometteuse de succès. Le rôle du gouvernement serait celui de fédérer et de coordonner. Un exemple pour illustrer ce concept est la mise en place de mesures plus efficaces contre les attaques de déni de service. Ces attaques constituent un fléau grandissant pour la société de l'information. Elles cherchent à épuiser les ressources d'un serveur pour les rendre inopérables et sont effectuées depuis des milliers, sinon des dizaines de milliers d'ordinateurs infectés. À cause de leur envergure, il est très difficile pour une grande structure et à plus forte raison pour une petite ou moyenne entreprise de s'en défendre. Tout en respectant le principe de neutralité du réseau, l'on pourrait imaginer de cofinancer des infrastructures capables de mitiger ces attaques au niveau des fournisseurs d'accès, des opérateurs, ainsi que des centres d'hébergement. Notre approche semble simple et presque banale. Luxembourg est pourtant un des rares pays qui soit en mesure de réaliser concrètement cette vision solidaire de la sécurité de l'information. Les infrastructures dans d'autres pays européens dépendent trop souvent d'une organisation fédérale. Pour ces pays, il est impossible de réunir les différents niveaux de compétences, de coordination et de collaboration nécessaires au service d'une infrastructure nationale. Construire la sécurité comme infrastructure pour tous est le concept novateur qui permettra de positionner Luxembourg au niveau international en tant que safe harbor pour les données et services en ligne. Ce 10e anniversaire est pour moi l'occasion de féliciter les initiateurs de Cases pour le travail accompli. C'est aussi l'occasion de vous remercier, mesdames, messieurs, partenaires et amis, pour votre engagement montré jusqu'à présent et de vous encourager à continuer de façonner la destinée d'une initiative qui, depuis son origine, a demandé courage, enthousiasme et solidarité. Ensemble, nous pouvons réussir à promouvoir la sécurité de l'information comme infrastructure et accroître ainsi l'attractivité économique du Luxembourg. Je vous remercie de votre attention.